Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. C'est parti pour une nouvelle semaine de décryptage. Nous sommes le lundi 25 janvier et nous sommes en direct. Vous le savez, pendant 60 minutes, nous allons essayer de décrypter ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons en votre compagnie comme d'habitude, donc n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Médien TV ou encore sur le compte Twitter, hashtag 60MPC de l'émission. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Madame Nosrallahi. Vous êtes député, ex-ministre du Développement Social. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Jawed Chouaib, vous êtes président de l'association Baïti, créée en 1995, association reconnue d'utilité publique. Et Mohamed Khattab, enfin, avocat, membre du secrétariat du collectif associatif pour l'éradication du travail des petites bonnes, constitué en 2009 et composé de 50 organisations non gouvernementales. Faut-il maintenir le travail domestique pour les mineurs ? Le débat peut être posé sur la formulation de la question également. C'est la question en tout cas qui divise aujourd'hui les députés. Ils sont en effet amenés à voter au cours des prochaines semaines le projet de loi 1912 relatif aux conditions d'emploi des domestiques et n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un certain nombre de points. L'occasion pour nous ce soir de revenir sur ce projet de loi. Que dit-il exactement? Quels sont les amendements consentis par la majorité et sur quoi porte les revendications des opposants et de la société civile. Plus largement, ça sera l'occasion pour nous de revenir sur le travail des enfants. Combien sont-ils? Quelles sont les causes de ce fait social? Et quels sont les plans prévus pour l'encadrer? Travail des mineurs, à quand une législation juste? C'est le titre de l'émission de ce soir. Le débat sur le travail des mineurs refait surface à l'approche de l'adoption du projet de loi relatif au travail domestique. Les groupes parlementaires ont présenté des propositions d'amendement concernant le projet de loi 1912 auprès de la Commission des affaires sociales de la première chambre. Sur le texte qui devra être adopté dans les prochaines semaines, le travail des mineurs n'y est pas proscrit, comme avaient appelé de leurs vœux des ONG marocaines et internationales. Le projet en question exige que l'employeur soit lié par un contrat de travail instaurant une rémunération minimum. Cette dernière ne devra pas être inférieure à 50% du SMIC. Autre nouveauté, un jour de repos hebdomadaire en plus de congés annuels. En cas d'infraction de l'employeur, il sera exposé à des sanctions financières. Les élus de la majorité exigent que l'employeur se charge des frais d'un examen semestriel que les domestiques doivent passer. Les maisons dans lesquelles travaillent ces filles feront par ailleurs l'objet d'une inspection du ministère de tutelle par ses services d'assistance sociale. Pour Human Rights Watch, ce projet de loi est encore perfectible. L'organisation appelle les parlementaires marocains à le réviser, évoquant une opportunité unique pour mettre fin à l'exploitation des domestiques. Fin 2013, le CNDH et le CESE introduisaient déjà la notion de travail décent et affirmaient la nécessité de fixer à 18 ans l'âge d'accès au travail domestique. Le maintien de l'emploi des mineurs dans le texte pourrait aussi valoir au Maroc des critiques de l'organisation international de travail. Selon une enquête du Haut Commissariat au Plan réalisée en 2009, plus de 160 000 enfants âgés de moins de 15 ans travaillent. 19 000 d'entre eux sont âgés de 7 à 15 ans. Le travail des enfants n'a pas de frontières. En 2014, l'UNICEF recensait 15% d'enfants dans le monde qui travaillent. Bien, on va essayer bien sûr d'aller à travers ce projet de loi qui pose un réel débat. Ça va nous permettre de revenir un peu, de mettre en perspective l'historique hein, de ce débat autour du travail des mineurs, le travail des domestiques et des petites bonnes entre guillemets, parce que c'est vrai que ce terme vous ne l'aimez pas, dans Australie, beaucoup ne l'aiment pas et vous aviez déclaré ça justement il y a quelques temps. Alors. Je disais en présentant le sujet de ce soir, faut-il maintenir le travail domestique pour les mineurs? C'est en soi une question qui doit être posée en ces termes. Faut-il maintenir le travail domestique des mineurs? Bien entendu, la réponse est claire, c'est que la place des enfants n'est pas au travail, mais elle est à l'école. Et c'est à l'école que l'enfant peut former son avenir, peut avoir le choix d'un avenir, peut se profiter d'abord de son enfance et profiter pour préparer sa vie d'adulte. Et malheureusement, en travaillant, un enfant se prive de ses possibilités de choisir sa vie. Ça, c'est pour le travail en général. Mais pour le travail domestique, c'est beaucoup plus grave encore. Parce qu'on parle des conditions de travail domestique, mais le fait en soi d'être travailleur domestique,
ça expose à énormément de dangers, ça expose à, au-delà à tuer, du travail à tuer en lui-même, oui. l'enfance, à voler l'enfance d'une petite fille. Et c'est ces petites filles-là qui vont devenir les mères célibataires. Ce sont ces petites filles qui vont subir le harcèlement sexuel sans aucune protection parce que souvent leur domicile se trouve à 700-800 kilomètres là-haut dans la montagne ou dans des régions éloignées. Donc c'est un phénomène qui est insupportable et qu'il est absolument nécessaire de combattre. Mais je m'excuse de parler un petit peu, disons de centrer un petit peu le sujet. D'après ce qu'on m'a dit, ce n'est pas uniquement le problème des travailleurs des mineurs, c'est aussi parce qu'il faut rendre justice à toute une population de femmes qui travaillent essentiellement 80% des travailleurs, des employés de maison, parce que le projet de loi n'accepte plus la formulation travailleurs domestiques, mais plutôt employés de maison. Les employés de maison, 80% sont des femmes, et ce sont des femmes qui souvent travaillaient toute leur vie pour se retrouver dans la mendicité à la fin de leur vie. On va bien faire le distinguo. Donc, on travaille bien sur le travail des employés de maison. Le côté positif, disons, d'intégrer cette population des employés de maison adultes dans le monde du travail, dans le monde de la protection sociale. C'est un bon point à souligner et à applaudir malgré les critiques qu'on peut apporter. Et d'un autre côté, l'interdiction du travail des enfants, qui devrait être un souci et une... Ça devrait faire l'objet de l'unanimité, en vérité. Alors, on va y revenir justement, mais parce que le point qui fait débat, c'est aussi l'âge, hein, finalement, lorsqu'on parle des employés de maison. On va y revenir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait faire cette émission, pour qu'on puisse élargir tout à l'heure sur le travail des enfants de manière beaucoup plus générale. Jawad Shoaib, par rapport à cette question posée en ces termes, avant qu'on aille plus loin dans la loi. Oui, enfin, moi je pense qu'il est effectivement très important, parce que beaucoup d'amalgames sont faits, même là dans ce qui a été présenté, dans la terminologie utilisée. Il n'est pas question d'interdire le travail des mineurs de 15 ans à 18 ans. On parle de l'interdiction du travail des mineurs dans le travail domestique. C'est très important de faire cette différence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le point essentiel dans tout cela, c'est de dire de quoi on parle. Et le travail domestique est considéré comme une des pires formes de travail. C'est-à-dire, c'est du travail forcé. Ces filles ne vont pas dans les maisons travailler d'elles-mêmes. On les envoie. Bien sûr, on parle essentiellement de filles. Hein, alors, on parle essentiellement de filles. Préciser, ouais. Essentiellement de filles. Alors que, donc, sur ce qui concerne l'enfant, c'est le seul point, si vous voulez, de divergence avec ce projet de loi qui, comme le disait Madame la Ministre, qui concerne en fait le travail domestique de manière beaucoup plus générale. Et ici, il faut juste rappeler qu'il existe une convention internationale des droits de l'enfant, qu'il existe des conventions de l'Organisation internationale du travail, on en parlera peut-être par la suite, qu'il y a une constitution du Maroc et que le législateur est censé se conformer aux conventions internationales qui ont la primauté sur les autres lois. Alors, donc, il y a d'abord, si vous voulez, indépendamment des sensibilités que l'on peut avoir, il y a un point qui est essentiellement juridique. On a une convention internationale des droits de l'enfant, le travail domestique va à l'encontre de tous les droits. C'est une violation flagrante de l'ensemble des droits de l'enfant. Donc il n'est pas question d'accepter de quelque manière que ce soit, et avec quelque argument que ce soit, ou de négociation, on fait du travail d'épicerie actuellement, non, on va mettre 15 ans, on va mettre 16 ans. Quand on parle du travail domestique, je précise de quoi je parle pas du travail des mineurs. Oui, on y reviendra dans une deuxième partie, c'est bien. Là-dessus, la position de la société civile, en tous les cas, est très claire, et je crois que M. Rtabé en parlera aussi, c'est niet, il faut absolument interdire qu'une mineure ou qu'un mineur travaille dans un domicile, quelle qu'en soit la raison. Pour moi, vraiment, j'étais surpris de voir qu'il y ait un article 6 dans ce projet. Normalement, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Est-ce qu'on cherche à brouiller un peu les pistes? Alors rappelez-nous, cet article 6, ça va nous permettre de rentrer dans ce projet de loi. Je rappelle, c'est encore une fois, c'est le projet de loi 19-12. Cet article 6, il est en rapport avec quoi exactement? Avec l'âge. Donc, il est interdit d'employer le projet initial. Il est interdit de faire employer un enfant de moins de 15 ans. Après, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Des discussions, je ne sais pas selon quelle base, on a ajouté une année, 16 ans. Chose qu'on n'arrive pas à concevoir. On ne discute pas ajouter une année ou diminuer une année pour un droit humain. C'est vraiment là, c'est là le scandale. Effectivement, quand on commence à discuter, ajouter une année ou soustraire une année, c'est là le scandale. En même temps,
le travail domestique. Je me souviens bien en 2010, le ministère du Travail avait organisé une rencontre pour l'actualisation de la liste des travaux pénibles, du travail pénible. C'est une actualisation annuelle. On s'était mis d'accord sur tous les critères de travail pénible pour le travail domestique. Mais après, le ministère n'a pas publié cette liste à cause qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y avait pas de texte de loi qui réglemente le travail domestique. Mais actuellement, ce texte est toujours là. Toute la société civile, y compris bien sûr le ministère du Travail, s'était mis d'accord de conclure à ce que le travail domestique, c'est un travail pénible pour les enfants. Et automatiquement, en tant que pays qui a ratifié pas mal de conventions internationales, dont celle de l'OIT, qui détermine le travail pénible, et bien sûr le travail domestique pour les enfants, entre 16 et 18 ans, c'est un travail pénible et il est interdit, selon les différentes recommandations de l'OIT, selon les différentes conventions de l'OIT, d'employer un enfant, fille ou garçon, moins de 18 ans, dans un travail pénible qui est le travail domestique. Les critères pour dire qu'il y a un travail pénible ou non, il y a d'abord le fait pour une fille ou un garçon de passer la nuit chez son employeur malgré lui. Déjà. C'est le premier critère. Si on devait transposer ça à un travail normal, même d'un adulte, c'est passer la nuit chez son employeur. Déjà ça. La première autre chose, bien sûr, porter du poids. On est marocain. On connaît bien et on sait bien comment ça se passe, le ménage, comment se passe le ménage dans les maisons avec sanoulat marocain. Toutes les petites bandes, entre parenthèses, prennent les matelas qui sont lourds et parfois même le montent, le mettent au soleil. Donc c'est déjà un fardeau. C'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est le contact avec des machines électriques. Et on sait bien, on connaît bien actuellement, les cuisines marocaines sont équipées de différentes machines électriques qui peuvent effectivement constituer un danger pour une petite fille. Troisièmement, le fait de se charger d'un bébé. Une fille qui est dans l'âge de jouer va se charger d'un bébé. La quatrième, c'est le fait de se charger d'une personne âgée, malade. Tout ça... La pénibilité physique, le fait de passer la nuit chez son employeur, le prendre en charge des responsabilités qui ne sont finalement pas l'âge. Le poids, le fait de porter des objets qui sont lourds. Là, vous nous avez finalement bien détaillé tous les critères qui peuvent définir la pénibilité de ce type de travail. Il faut y rajouter, si vous me le permettez, c'est l'exposition à la violence. Et c'est l'absence de protection. Attention. On est à huis clos. La protection est un droit fondamental essentiel de l'enfant et c'est à l'État de la garantir. Qu'on vienne m'expliquer aujourd'hui que l'État est capable de garantir la protection d'un enfant dans un domicile. Il est exposé à tous les abus, qu'ils soient sexuels, physiques, tout ce que l'on veut, à huis clos. Et effectivement, les cas, nous, dans toutes les associations qui prennent en charge des enfants, c'est des dizaines de gamines traumatisées, mutilées, et ça, c'est allé même jusqu'au suicide. Donc, par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, L'effet dramatique de 2013. La petite Fatema, une domestique de 14 ans, grave brûlure aux mains et au visage. Son employeur a écopé de 20 ans de prison. Nassema, en janvier 2013, 19 ans, exploité comme petite bonne, qui s'est suicidée. Donc, on voit bien la détresse que ça peut, bien sûr, engendrer. Je voulais dire que l'article 6, en même temps, il interdit le travail domestique des enfants de moins de 16 ans, et en même temps, il fixe des conditions pour entre 16 et 18 ans, en disant qu'il faut l'autorisation écrite des parents, légalisée, en disant qu'il faut tous les six mois une visite médicale aux frais de l'employeur, en disant qu'il est interdit de les faire travailler de nuit, en disant qu'il faut des heures réduites, dans les amendements introduits, qu'il faut réduire le nombre d'heures à 30 heures, etc., etc. Mais le fond du problème, c'est qu'il est impossible de contrôler. Pourquoi ? Parce que un inspecteur de travail peut venir dans une usine, par surprise, et vérifier quelles sont les personnes qui travaillent, quelles sont les conditions de travail, etc. Mais quand il s'agit de travailleurs domestiques, on se heurte à un autre principe qui est, lui, constitutionnel, un autre principe des droits de l'homme,
qui est l'inviolabilité du domicile. Mmh. C'est-à-dire qu'il est impossible à un inspecteur de travail, par exemple, de venir par surprise et de rentrer dans la maison pour voir est-ce qu'il y a une petite bonne ou est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'il y a une petite fille qui travaille, est-ce que dans quelles conditions elle est logée, etc. Vérifier ces choses-là, c'est impossible par la loi. Donc ce qui fait, ça laisse toute la place à ce que le, effectivement, qu'il ne puisse pas y avoir de d'inspection, et on n'a aucun moyen de vérifier quel est le nombre d'heures de travail effectuées. On n'a aucun moyen de vérifier est-ce que cet enfant dort assez ou ne dort pas. Alors, je reviens juste là-dessus pour qu'on puisse vraiment détailler. Là, on est en train de parler, dans le cadre du projet de loi, de filles qui auront entre 16 ans et 18 ans. C'est-à-dire qu'en gros, on permettrait à des filles entre 16 ans et 18 ans, qui sont encore mineures au regard de la loi, sous certaines conditions que vous venez de nous exposer, de travailler. Qu'en est-il aujourd'hui ? Vous parlez de contrôle. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée du nombre de filles qui sont en deçà de cet âge déjà, parce qu'il y avait une étude commanditée par le collectif en 2010, ce sont des chiffres de 2010, encore une fois, bon, qualifiés de petites bonnes, l'estimation c'était entre 60 000 et 80 000, donc déjà une grosse fourchette, de moins de 15 ans, et 38% âgés de 8 à 12 ans. On est quand même sur des pros, on est bien en deçà aujourd'hui de 16 à 18 ans. Est-ce que la loi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que le travail est interdit pour les petites filles en dessous de 16 ans, et si on parle de contrôle pour celles de 16 ans à 18 ans, est-ce qu'on contrôle l'âge de celles qui ont moins de 16 ans ? Non, non, c'est la raison pour laquelle, et quels que soient les chiffres, je dis, on devrait s'indigner, même quand même il y aurait une seule fille qui travaillerait chez quelqu'un. Il faut qu'on soit clair sur le travail domestique. Il ne faut pas du tout le comparer avec un jeune de 16 ans qui va aller faire un stage de formation. Non, c'est l'exploitation, par les parents, par la société, par tout le monde. C'est une problématique. Toutes les filles qui ne travaillent pas et qui ne vont pas à l'école, il faut la traiter différemment. Mais il ne faut pas la traiter en permettant à ce que ces filles se retrouvent à huis clos, ou que ce soit qu'elles aient 13 ans, qu'elles aient 15 ans, qu'elles aient 16 ans ou qu'elles aient 17 ans. Moi, je suis très très clair là-dessus, encore une fois, parce qu'il est impossible de protéger ces enfants. C'est des enfants qui ne sont pas chez leurs parents, c'est des enfants qui sont des personnes étrangères, et donc ils sont exposés à 100% à tous les dangers possibles et inimaginables. Et ce n'est pas que l'expérience des associations qui le prouve. Je veux dire, on pourrait les faire défiler, ces enfants. Il y a des violations à tous les niveaux. Madame l'a dit, elles sont d'abord déscolarisées. Même à 16 ans, 17 ans, qui c'est qui va aller contrôler est-ce qu'elle a vraiment 16 ans, est-ce qu'elle n'a pas 17 ans ? À aucun moment dans la loi, il n'est mention d'obligation de scolarisation ni quoi que ce soit. Mais non, pas du tout. C'est l'interdiction. Avant 16 ans, c'est interdit. Voilà. Mais le problème, c'est quelles sont les sanctions ? Les sanctions sont financières, c'est-à-dire des amendes de 3 000 à 5 000 dirhams. Et en cas de récidive, il peut y avoir soit doublement de l'amende, soit 1 à 3 mois de prison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un comportement de la loi qui est clair et qui est dissuasif pour changer de culture. Et ça, je crois qu'il faut revenir à cette question de culture au Maroc. La question du fait qu'il n'y a pas de partage des tâches ménagères au sein de la famille, parce qu'en général, ce sont les femmes qui font le travail entre les femmes. Oui. Parce que c'est ça le fond du problème, c'est que ça touche à la remise en cause de notre culture familiale et sociétale, qui font que tout le monde met les pieds sur la table et que c'est la mère de famille et les filles éventuellement qui, eux, font le travail ménager, alors qu'elles se débrouillent, qu'elles ramènent une petite bonne, si elles ont les moyens, qu'elles ramènent une femme de ménage adulte. Si elles n'ont pas les moyens, ben elles ramènent une petite fille sur lesquelles elles vont se décharger de cette tâche qu'elles n'arrivent pas à mener toute seule. Donc ça demande une remise en cause de tout notre mode de vie, que chacun assume une part de son travail domestique, si on veut, ou ménager, pour pouvoir laisser des petites filles tranquilles, les laisser étudier. On a vu des associations qui font un travail remarquable, et qu'à l'époque, moi, j'avais soutenu dans le cadre de l'action du ministère, notamment INSAF, qui retirait les petites filles du travail et qui les envoyait étudier. Et puis on a aujourd'hui des résultats, des outputs, genre qu'elles passent le bac avec mention, qu'elles s'inscrivent dans des universités, qu'elles aient une vie normale avec des rêves d'avenir, avec une carrière, avec tout ce qu'on peut attendre quand on est un enfant marocain, un futur citoyen ou une future citoyenne marocaine. Permettez-moi, je vais réagir à quelques points de vue. D'abord, le premier problème chez nous, c'est l'ineffectivité de la loi. Actuellement, il y a un texte de loi. C'est le code de travail qui interdit le travail des enfants âgés de moins de 15 ans. Je veux parler, par exemple, il y a une autorisation pour les 15-18 ans. Déjà, ça, c'est effectif, c'est aujourd'hui. L'obligation de la scolarisation. Un État qui se respecte doit faire respecter cette loi et faire tous les moyens, une veille juridique pour effectivement appliquer ça.
et ne pas chercher un débat tout à fait loin du fond du sujet. Pour nous, dans le cadre du collectif, on avait proposé, dans le cadre de nos ateliers juridiques, à considérer le fait de faire travailler une petite fille de moins de 15 ans à l'époque comme un délit, un flagrant délit. C'est-à-dire, il donne la possibilité à la police judiciaire d'entrer dans le domicile là où il y a un délit. Justement, on avait proposé ça. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écouter ça, qui peut réagir positivement avec ça? Personne. Donc là, pour ne pas... Vous vous rendez compte ce que ça implique? Ça implique exactement ce que disaient nos astralistes. C'est-à-dire que là, on bouleverse totalement les mentalités, oui, oui, avec des acquis qui sont là depuis très longtemps. Mais la loi est là, mais l'État est là. C'est pas avec les mentalités, on va laisser tout le monde faire ce qu'il fait, mais le rôle de la loi, l'État il est pour ça. En même temps, revenons un peu à ce que disait Mme Skalli concernant le contrat. Un mineur doit apporter une autorisation de son père, et non pas la présence. Il faut bien remarquer ça. Le texte n'oblige pas la présence, il n'y a pas une obligation de la présence du père ou du tuteur. Donc, il doit avoir un papier sur lui. Est-ce qu'il est capable? D'abord, le contrat est préparé par l'employeur. Est-ce qu'un enfant est capable de discuter les clauses du contrat? Mais vraiment. Et le contrat devrait être signé entre l'employeur, entre guillemets, et mais c'est l'enfant qui va signer. Oui, le tuteur. Il suffit qu'il présente un papier et c'est lui qui va signer le contrat. C'est l'enfant qui va signer. Je ne sais pas, effectivement, là, le débat. Le débat qui devait vraiment être là, c'est discuter. Parce qu'il y a un texte de loi. À l'époque où Mme Skalli était ministre, il avait préparé effectivement un avant-projet d'incrimination, de texte de loi incriminant le fait de faire travailler les enfants, les filles de moins de 15 ans. Mais comment il a disparu? Comment cet avant-projet a disparu? Pourquoi on a essayé effectivement de mettre un peu de l'avant-projet dans ce projet, mais effectivement, ça, jusqu'à présent, on n'a pas compris pourquoi. Je vais vous reposer cette question simple, hein, qui est pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas envie aujourd'hui que ces enfants-là aient un avenir? Est-ce qu'on y a le débat aujourd'hui au Parlement? Vous y êtes, Madame Skalli. Il est quoi? Il est idéologique? Il est encore une fois avec ce clivage qu'on essaie de mettre à chaque fois progressiste, conservateur? Est-ce qu'on est dans ce cadre-là ou il y a autre chose derrière? Parce que je... juste dans ce cadre-là. Personnellement, oui. je n'ai rien compris là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a le ministre est un ministre progressiste. Et il défend le fait à ce que la loi contienne la possibilité pour les enfants de 15, je dis bien 15 parce qu'il a proposé un projet, de 15 à 18 ans de travailler. Vraiment, je n'ai rien compris. Parce que ce débat-là dont vous parlez, j'ai bien souhaité à ce que ce débat-là soit effectivement en pratique, en réalité. Mais un ministre progressiste qui défend... exploiter un enfant, légitimer l'exploitation des enfants entre 15 et 18 ans, c'est inconcevable. Écoutez, nous, notre groupe au sein du Parlement, le groupe du Progrès démocratique, avait organisé une journée d'études sur ce projet de loi et on avait tenu bon sur l'impossibilité de céder sur la question de l'âge du travail. On avait dit moins de 18 ans, c'est niette. Et on s'est retrouvés, c'est-à-dire nous avons bloqué... Travail domestique, bien sûr. Parce qu'il faut le dire tout à l'heure, dans les conventions internationales de travail, on admet que l'âge, que c'est avant 15 ans, c'est interdit de travailler, et qu'entre 15 et 18 ans, c'est l'apprentissage. Donc l'apprentissage qui a certaines conditions, des heures limitées de travail, etc. Mais ce qu'on dit, et je suis complètement d'accord avec Sijaoued et avec Khtabi, c'est que le travail domestique... Ce ne peut pas être accepté comme un apprentissage parce qu'il place, il est en lui-même un travail dangereux, vu les conditions de travail, vu le fait que ce soit un travail de nuit, que même si c'est interdit de travailler la nuit, il n'y a pas moyen de vérifier, etc. Donc pendant un an, le projet de loi est resté bloqué. Il est resté bloqué à cause de la position, ou grâce à la position qui a été défendue par notre groupe. Puis les pressions se sont exercées pour nous dire « Ah, vous êtes en train de bloquer le projet de loi, etc. » Et maintenant, ce sont les groupes de la majorité
qui ont soi-disant mis des conditions, etc., pour l'article 6, pour mettre des conditions supplémentaires, etc., pour protéger les enfants qui vont être au travail, mais en refusant de céder sur la question de l'âge de 18 ans, de l'âge du travail. Et ça, moi, je crois que la bataille est encore à faire. De mon point de vue, il aurait fallu dissocier entre les deux. C'est-à-dire, parce que pourquoi est-ce que le Code du travail est venu dans son article 4 pour dire, en ce qui concerne le travail domestique, il faut une loi à part, parce qu'il y a des conditions à part. Il aurait fallu dire clairement que le travail domestique est interdit aux moins de 18 ans et laisser la place pour une autre loi de protection de l'enfance et ne pas appliquer les mêmes règles qui sont appliquées dans le monde du travail aux enfants. Alors justement, les mêmes règles, je vous pose la question. Je vois dans ce projet de loi, donc on va exiger que l'employeur et l'employé, donc déjà le fait qu'on considère donc les enfants comme employés peut être gênant, soit lié par un contrat de travail dont vous avez expliqué, instaurant une rémunération minimum qui ne devra pas être inférieure à 50% du SMIG, plus un jour de repos hebdomadaire, plus des congés annuels. On est quand même là, même dans des conditions qui sont en deçà du minimum assuré pour un employé normal, majeur et qui travaille. Oh oui, tout à fait. Mais là, encore une fois, vous savez, à partir du moment où déjà on accepte de facto dans sa tête, la question que vous posiez tout à fait les yeux, je me la suis posée. Je me suis dit, mais où est le problème dans la réalité? Moi, je suis arrivé à une seule réponse. Je me dis, ça veut dire qu'il y a des gens qui eux-mêmes, parmi les décideurs dans ce pays, qui ont eux-mêmes des petites bonnes à la maison, et que ça les arrange. Je n'ai pas d'explication idéologique, je ne peux pas me l'expliquer par les conventions, je ne peux me l'expliquer par rien d'autre qu'un propre intérêt là-dedans. C'est pas possible. On ne peut pas parler de travail domestique et ne pas considérer que c'est d'abord du travail forcé. Je l'ai dit, je le redis, je le redirai jusqu'à la fin de l'émission, c'est de l'esclavagisme moderne, pour appeler ça comme on veut, c'est tout simplement inacceptable, il n'y a pas à discuter, ni dans les conditions, ni rien du tout. Mais je rejoins ce qui a été dit, c'est que effectivement, pour le travail, les conditions d'un enfant, qui à partir de 15 ans, qui a un cursus scolaire, qui est dans l'apprentissage, qui est dans de la formation, donc ça s'inscrit dans son développement personnel, ça s'inscrit dans son insertion professionnelle et sociale, on est dans une toute autre logique. Et d'ailleurs, c'est les modalités de prise en charge de tous ces enfants, parce que qu'on oublie au passage de dire que ces enfants, et pourquoi je parle de travail forcé, voire même de traite, c'est que ces enfants, ils viennent d'où? Ils viennent de régions enclavées, donc ça passe par des intermédiaires, il y a tout un business là-dedans. Et nous, on a travaillé sur le terrain, et INSAF aussi. Mais allez les deux déboulonner, il y a beaucoup d'argent là-dedans. C'est de la traite, pas dans le sens des droits internationaux, mais quelque part, on trafique les enfants, qu'on le veuille ou non. Et c'est en ce sens que c'est totalement inadmissible. On ne doit pas faire d'amalgame. Il n'y a pas de conditions à mettre dans le travail domestique, aucune. C'est niette, il n'y a pas, voilà, c'est pas possible. Mais le travail, je suis d'accord. Le projet de loi a interdit le travail des intermédiaires. Parce que c'est des intermédiaires qui jouent un rôle très important pour le trafic d'enfants, justement. Bien sûr, il a interdit, il a réservé, disons, des agences d'intermédiation qui doivent être réglementées, qui doivent être... Je suis d'accord. Alors, je veux dire que par rapport aux enfants, jusqu'à présent, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des intérêts financiers derrière, les smasrias, les intermédiaires... Alors, vous faites partie de la société civile, vous faites du terrain, ça va nous poser la question des causes, finalement. Quel argument... Alors, je dis les arguments qui sont souvent opposés, mais de toute façon, les arguments qui sont avancés, c'est il vaut mieux que ces petites filles soient dans des maisons plutôt qu'elles soient dehors dans la rue. Ça, c'est aussi des arguments qu'on entend. Et ça, je vous dirais, quelle réponse vous apportez à ça, et surtout les causes de ce travail domestique des enfants. On fait une petite pause, on revient juste. Travail des mineurs, à quand une législation juste? Si vous venez nous rejoindre, c'est le sujet que l'on traite ce soir dans 60 minutes pour comprendre. Alors, c'est vrai, on va revenir bien sûr sur la considération qui est accordée au travail domestique et par ricochet bien sûr aux mineurs, puisque c'est le sujet de ce soir. Lorsque vous voyez que, après on parlera des causes, je voulais juste réagir par rapport à ça, je relis ça parce que c'est quand même quelque chose qui est assez qui peut être assez choquant lorsqu'on voit cette proposition dans la loi, que instaurer une rémunération minimum qui ne devra pas être inférieure à 50% du SMIG,
plus un jour de repos hebdomadaire, plus des congés annuels. On est quand même en dessous, je le répète encore, en dessous des minima. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte aujourd'hui que les travailleurs domestiques, dans un premier temps, puis les travailleurs domestiques mineurs encore plus, sont finalement des demi-employés, sont des demi-citoyens, si on accepte que ça soit plafonné à la moitié du SMIC? Le malheur, c'est qu'on considère que le fait de dormir chez son employeur, le fait de manger chez son employeur, ça, on le prend en considération. Comme rémunération. Comme rémunération. Non, comme... C'est explicitement dit que la nourriture et le logement dans le projet de loi, la nourriture et le logement ne peuvent en aucun cas faire partie des composantes du salaire. Oui, du salaire, de 50%. 50%. Mais justement, pourquoi on a fait 50%? Parce qu'il y a déjà des avantages, entre parenthèses. Comme par exemple le gardien d'un immeuble, il a le logement, mm-hmm. donc il touche, bien, le logement constitue jusqu'à 40% de son salaire. Donc c'est la même chose. Donc bon, un concierge, il peut être déclaré à la CNSS par le syndic, et puis il y a un ensemble de mécanismes qui peuvent lui permettre d'avoir accès à une certaine protection. Juste, si vous permettez, je veux répondre à votre question. La question concernant les causes. Et je veux répondre par des statistiques. Mm-hmm. Selon l'étude commandée par le collectif en 2010, il en ressort que 30% par rapport aux filles n'ont jamais été scolarisées. 49% sont en abandon scolaire. 38% sont âgés de 8 à 12 ans, âge du premier cycle d'enseignement. Ce sont deux enseignements fondamentaux. 62% sont âgés de 13 à 15 ans, âge du second cycle. 21% sont encore scolarisés et travaillent par intermittence. Mmh. Les données concernant les familles. Les familles émettrices. 45% sont pauvres. 28% très pauvres. 16% sont sans revenus réguliers, 9% ont des revenus réguliers, 94% des mères et 72% des pères sont analphabètes. Mmh. Mais pour les familles récipiendaires, 54% sont dans la catégorie dite classe moyenne, 20% sont dans la catégorie dite classe aisée, 53% des mères et 68% des pères ont suivi des études supérieures. En plus de On est dans un schéma, finalement, que c'est le constat de la société, ça confirme tout ça. Oui, mais c'est que les parents, les parents par rapport aux familles émettrices, n'ont aucune idée d'une loi obligatoire pour l'enseignement obligatoire. Ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant d'un texte de loi qui interdit l'emploi des enfants. Par contre, les employeurs sont au courant qu'il y a une loi qui impose l'enseignement jusqu'à 15 ans. Il y a la loi qui interdit le travail des enfants. Et pourtant, il continue dans ce sens-là. Je pense que ces statistiques sont vraiment intéressantes. Bien sûr, ça peut entraîner... C'est le rôle effectivement de l'intermédiaire Samsar, parce que l'intermédiaire Samsar qui se présente comme un homme respectable avec Jlaba, Trabosh, quelqu'un qui a de l'influence, quelqu'un qui connaît les gens de la ville, et au début il leur propose d'emmener leur fille apprendre à devenir une mère, à cuisiner, à apprendre la belle vie et tout ça. Donc les femmes, ils montrent une vie rose. Par contre, la réalité c'est autre chose. Je voulais juste un tweet qui vient de nous arriver de Aziz Daouda, que vous connaissez bien, qui était sur notre plateau la semaine dernière, qui nous dit comment faire la différence entre compagnonnage et apprentissage. Parce que c'est vrai que là encore, les termes, d'un point de vue juridique, sont extrêmement importants. C'est sûr. Moi, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Je vous dirais, si on en était, si le débat au Maroc est déjà arrivé à ce niveau-là, moi, je serais prêt. Ça, c'est, on est déjà à un très haut niveau, là. Là, je crois qu'on est encore en suicide au béaba. D'abord, de considérer qu'un enfant, c'est jusqu'à 18 ans. Ça, déjà, on a beaucoup de mal, parce que dès qu'une fille commence à avoir des signes de puberté, pour nous, c'est déjà pratiquement une adulte. Mmh. Donc déjà, il y a toute une perception de ce qu'est l'enfant. Et quand j'entends, parce que tout à l'heure, je reviens à la remarque que vous faisiez, vous disiez, qu'est-ce que vous répondez à... Oui. Quand on vous dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces filles? Il n'y a pas que ces filles-là, il y en a beaucoup d'autres. Mmh. Moi, ce que je réponds à ce responsable, parce que ça vient de la bouche d'un haut responsable, d'un ministère, je lui pose la question de qu'ont fait les gouvernements successifs de manière générale
pour faire en sorte que le droit à la scolarisation, et non pas juste la scolarisation, mais que qu'est-ce qu'on fait en termes de signalement lorsqu'un enfant abandonne l'école, et comment on fait pour le réintégrer, et ainsi de suite, et qu'est-ce qu'on fait en termes de protection de l'enfance de manière générale, la protection de l'enfance ayant été l'un des points faibles du plan d'action national pour l'enfance qui a été mis en œuvre. Donc, c'est là la question. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui légitimer ce genre de choses, tout simplement parce qu'on se pose la question, qu'est-ce que je vais en faire? Il est en train d'en parler comme si on l'avait mis devant la porte. Mais ce n'est pas lui qui les a mis là-bas, il y a d'autres, on interpelle des politiques publiques de manière générale. Là, il faut protéger les enfants, et c'est dans le cadre de la réflexion de la protection de l'enfance qu'on lui expliquera qu'est-ce qu'on va faire de ces petites filles-là. Oui, moi je suis totalement d'accord avec votre vision que c'est une question de protection de l'enfance et de politique publique et globale, malgré les efforts qui ont été faits bon, dans le domaine de la scolarisation, bon, à travers la construction des maisons d'Acte Taliba et d'Acte Talib, disons l'opération 1 million de cartables, le programme Taysir, enfin il y a eu énormément de programmes qui ont été déployés pour favoriser la scolarisation des petites filles, mais il y a le côté, disons, sensibilisation. Parce que je prends de l'expérience de INSAF que deux villages, disons, côte à côte, qui sont dans les mêmes conditions de pauvreté, on a certains qui envoient leurs enfants au travail domestique et d'autres qui refusent de le faire. Voilà. C'est-à-dire que le principe de base, c'est que les familles soient convaincues qu'elles n'ont pas le droit de disposer de la vie de leurs enfants, que ce n'est pas parce que ce sont leurs enfants qu'ils ont le droit de les envoyer à la ville pour pouvoir en retirer 500 dirhams par mois ou en retirer une certaine somme. Donc je crois qu'il est très très important qu'il y ait une volonté politique claire de vouloir réellement éradiquer ce phénomène. Mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un certain cynisme et une hypocrisie? Parce qu'on est en train d'essayer de légiférer en disant qu'il y aura des contrôles sur, avec un contrat de travail, il peut y avoir un contrôle, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, je parle au niveau du Parlement, est-ce qu'on ne discute même pas de contrôle pour vérifier l'âge des petites bonnes qui travaillent déjà au sein des familles? Avant même d'arriver à ce contrôle-là, si jamais la loi passe. Le projet de loi parle du rôle de l'inspection de travail pour les cas où il y a des plaintes, c'est-à-dire si... S'il y a plainte. S'il y a plainte. Qui émane donc de l'employé. Mais en tout cas, c'est réglé. Ça peut émaner de l'employé, ou du parent, ou d'une personne qui peut venir déposer plainte. Mais ça ne résout pas le problème, effectivement, du contrôle des conditions dans lesquelles travaillent les enfants. C'est-à-dire, pour les adultes, ça peut constituer une solution, parce qu'une employée, disons, ou un employé qui n'aurait pas satisfaction de ses droits prévus par la loi peut aller se plaindre à l'inspection de travail. Et il peut y avoir une intermédiation qui est tout à fait naturelle chez l'inspection de travail. Mais en ce qui concerne la question des enfants de moins de 18 ans qui travaillent, là, il n'y a pas les possibilités de venir trouver les choses en l'état, c'est-à-dire venir faire des visites impromptues qui permettraient de voir dans quelles conditions travaillent Mohamed Khattab, vous êtes avocat, je vous pose une question. Aujourd'hui, imaginons qu'un voisin voit un voisin à lui qui emploie une petite fille de 10 ans, de 12 ans, et qui veuille aller dénoncer, entre guillemets, ou dire tout simplement, il y a une petite fille de 12 ans qui travaille dans ce foyer. Est-ce qu'il y a aujourd'hui les structures d'accueil pour accueillir ces gens-là? Et quelle est finalement, est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce qu'il y a des jurisprudences en la matière? Est-ce qu'il y a déjà eu des cas où, où la police est intervenue pour sortir une petite fille de 12 ans d'un foyer? Les cas que personnellement j'ai vécu, le cas à Casablanca, il s'agit d'une fille de 13 ans qui a été vraiment, je ne peux pas dire battue, mais vraiment dans un état insupportable, une petite fille de 11 ans. Et s'est fouillé dans un état alarmant. Les voisins l'ont amené au commissariat, puis dans des centres, de toute façon. Là, oui, effectivement, la police est intervenue, mais il y a un problème. Il y a vraiment un problème, parce que c'est vraiment complexe, parce que cette fille-là, elle est de Dimitanout, elle était dans un état grave. On a bien sûr informé son père. Le premier geste qu'un père doit faire, c'est aller voir sa fille. Ce monsieur n'était pas allé voir sa fille. Il est allé voir le mari de l'employeur. Il a discuté avec lui. Donc il a eu
une certaine somme, puis il a renoncé à la poursuite de sa dame. Mais sa dame a été arrêtée, elle a été condamnée une année. Mais c'est ça. C'est pas du civil, c'est du pénal. Oui, oui, c'est le pénal. C'est le pénal. Mais nous, en tant que ONG, ayant le statut d'intérêt public, bon, on s'est constitué en tant que partie civile, donc on a plaidé dans ce sens-là parce que il y a des droits qu'on défendait qui étaient violés par. Mais le monsieur a renoncé à la poursuite. Voilà, voilà. Il y a un problème. Est-ce que ce genre de parent est digne d'être tuteur? C'est ce genre de parent qui va donner l'accord pour sa fille pour aller travailler. Vous comprenez? Allez-y. Donc là, il y a effectivement un problème. Donc, il y a possibilité de dénoncer, mais la pratique actuellement montre que la justice n'intervient que dans les cas dramatiques. Là, vous êtes en train de me... Vous nous avez décrit un cas où on voit vraiment dramatique. La fille et c'est en essayant de s'enfuir, on arrive au drame. Quoi. Oui, mais je veux revenir en même temps sur un autre point, c'est que la pauvreté n'est pas essentiellement la cause. Il y a d'autres facteurs déclencheurs, tels la discrimination entre hommes et femmes, parce qu'il faut bien remarquer qu'il y a une différence entre l'enfant et la fille, dans les familles marocaines, donc dans beaucoup de familles marocaines. Il y a l'exclusion sociale, il y a le manque de possibilités d'études, il y a la violence domestique, il y a la fuite d'un mariage forcé, il y a la migration urbaine, les déplacements ou la perte des membres de familles proches. Ce sont des facteurs déclencheurs de ce phénomène de travail domestique de ces filles. Mais la question qui se pose, avec tout ce débat, avec toute cette mobilisation du gouvernement pour adopter ce projet, est-ce que le gouvernement a effectivement un projet où installer ces filles? Parce qu'une fois qu'il y aura un texte qui interdit l'emploi des filles de moins de 16 ans, donc il faut faire sortir ces filles-là de ces foyers. Où les placer? Est-ce que le gouvernement a effectivement tous les moyens? Est-ce qu'il a les centres? Mais là, vous êtes en train de reposer la même question qu'on peut se poser. Justement, parce que là, c'est la sensibilisation, la campagne. Alors, on va y arriver aux sensibilisations, tout ce qui peut être fait. Je voulais juste rebondir sur la question que vous aviez posée par rapport, je vois quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Il faut dire que... Parce que là, c'est du concret, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a une loi qui existe. Alors, c'est d'abord, ça ne touche pas que uniquement de cette problématique. C'est la problématique de la protection de l'enfance de manière générale. Et quand on parle de protection, il y a tout un aspect préventif là-dedans. Il faut savoir, chez nous déjà, la culture du signalement, c'est quelque chose qui n'existe pas. Oui. Quand on est entre voisins, dans la communauté, et l'Hachouma, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc c'est tout ce qu'on appelle, nous, en termes de droit, les normes préjudiciables aux enfants. Si on arrivait à casser ce tabou, ça serait... Alors il y a déjà ça, si vous voulez, culturellement, le signalement. Deuxième des choses, il est vrai que rien n'est fait pour faciliter aussi le signalement. Et que, alors, que vous avez tous les droits, on peut aller à la police, on peut aller maintenant, la question c'est qu'il y a énormément d'étapes que très souvent le citoyen il se dit, bon ben moi je préfère fermer les, c'est beaucoup plus simple, et c'est quelque part naturel. Mais dans l'absolu, il est tout à fait possible, et il y a des stratagèmes, et nous l'avons fait, nous avons sorti, lorsque nous avions des signalements anonymes ou même de personnes connues, parce qu'ils... Comment vous avez fait ? En tant qu'association, alors on a eu des cas vraiment... Où on a carrément espionné les maisons, où on a attendu que les gens ne soient pas là, c'est-à-dire on a utilisé des stratagèmes pour carrément aller chercher ces enfants qui étaient battus et les sortir, et puis après avec déclaration au procureur, et voilà, et donc après il y a toute une procédure judiciaire qui est mise en... Et là, vous soulevez la grande question de tout ce qu'on appelle la justice adaptée aux mineurs, qui est totalement inexistante chez nous. Donc c'est pour ça, je vous dis, toutes ces choses-là sont liées, et encore une fois, niettes pour des enfants dans le travail domestique. Je voulais dire que la question culturelle est effectivement très, très importante, parce que dans quelle mesure est-ce que notre société considère que c'est normal, que c'est ordinaire d'avoir des enfants qui travaillent, ou considère que c'est haïb, chouma, inadmissible, interdit, etc. Donc, à travers la loi, on est susceptible de structurer un petit peu les mentalités et de dire... l'application de la loi. Non, déjà, quand il y a une loi... Si on fait passer une loi et qu'elle n'est pas appliquée... Quand il y a une loi, quand vous dites... Les gens, ils n'ont pas envie d'aller en prison. Ils disent, ah non, attention, il faut que le message passe, tout simplement. Il faut qu'on donne un temps aussi d'adaptation. Moi, j'avais proposé qu'il y ait un an
de sensibilisation pour pouvoir passer à l'application de la loi. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a eu une évolution déjà dans les politiques publiques. Mmh. Entre 2006, il y avait eu une campagne pour les petites filles au travail en disant « il faut vous comporter ». Le message était, je ne me rappelle pas exactement le message, mais c'était, il appelait les gens à un bon comportement à l'égard des petites bonnes, c'est-à-dire de les protéger, bien les traiter. Quand j'avais fait moi une autre campagne, la deuxième campagne nationale contre le travail domestique des petites filles, c'était non, c'était la place des petites filles est à l'école et non pas dans le travail domestique. C'est-à-dire qu'il y a une évolution qui se fait et qu'on peut espérer pouvoir passer à un autre stade qui est celui, effectivement, de l'interdiction absolue, sachant que le phénomène est profondément culturel, mais de plus en plus, les gens considèrent que c'est inadmissible de faire travailler des enfants. Je voulais aussi réagir sur la question de l'existence ou non de centres pour accueillir ces petites filles. Les centres ne peuvent être que des structures provisoires, comme c'est le cas pour le SAMU social actuellement de Casablanca, qui est susceptible de jouer ce rôle. Parce qu'il faut, se dire qu'il y a beaucoup de régions pourvoyeuses, ce sont les régions les plus pauvres du pays, mais les grandes villes qui reçoivent, disons, ce genre de petites filles, c'est essentiellement Casablanca, Rabat, Marrakech, enfin quelques grandes villes. Et dans ces villes-là, il existe des centres pour les, bon, ou bien les SAMU sociales à titre transitoire, ou bien des centres de protection de l'enfant qui sont susceptibles de recevoir à titre transitoire ces enfants. Donc s'il y a la volonté politique, ce n'est pas le problème des centres, c'est le problème effectivement de décider qu'on va faire la chasse aux petites filles qui sont employés dans les maisons à l'heure actuelle et qu'on va les réintégrer à l'école et qu'on va faire tout pour les ramener à leur famille. Est-ce que c'est encore, à la société civile de faire ce travail? Non mais je pose la question parce que c'est ce genre de dossier. On essaie de pallier, à l'État. Là où l'État n'est pas, ne fait pas son travail, on essaie de le faire par nos propres moyens qui sont limités d'ailleurs. Mais en même temps, il y a bien sûr beaucoup de gens qui essaient de faire ce travail-là. Et donc, on revient toujours. La question qui se pose, on a des milliers de petites filles qui travaillent dans le noir. Donc, si demain, il y aura un texte de loi qui sera voté, comment faire pour ces filles? Quels sont les moyens? Est-ce qu'il y a une volonté de l'État à faire sortir ces filles-là des foyers qu'elle occupe actuellement? Ou est-ce que le texte de loi parle pour l'avenir? Il a prévu un an. Il a prévu un an déjà pour l'application. Oui. D'abord, pour ces filles-là, si jamais on arrive, bien sûr, si jamais on aura la volonté politique dure pour les extraire de ces foyers, où les mettre? Il faut les réinsérer pour les filles, qui étaient victimes de la déperdition scolaire, pour les filles qui n'étaient jamais à l'école, pour l'accompagnement. Il y a un accompagnement psychique, médical, éducatif et tout ça. Est-ce que l'État a ses moyens? Je ne dis pas est-ce qu'elle a ses moyens, est-ce qu'elle a la volonté de doter ça de moyens? Les moyens existent partout, donc l'État peut trouver les moyens, mais est-ce qu'elle a effectivement cette volonté de résoudre cette problématique? Parce que c'est vraiment lamentable pour un pays qui bénéficie du statut avancé avec l'Union européenne, qui est... Et on rappelle qu'on a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Oui. Et même cette convention-là dit qu'elle parle de l'enfant, c'est toute la sphère d'âge qui est moins de 18 ans. Donc quand la convention parle d'enfant, c'est jusqu'à 18 ans. C'est jusqu'à 18 ans. Alors, avant que je vous donne, il y a un exemple, parce que je vais le donner, c'est celui de la Bolivie. Bon, il ne touche pas encore une fois que le domestique, mais c'est un pays qui a fait... il est allé dans l'espèce de pragmatisme d'adapter la loi à une réalité. Hein. Mais avant que je vous donne ça, je reviens encore sur cette notion de contrôle aujourd'hui qui est liée, puisqu'on va, si cette loi passe, hein, comme ça avec ce projet passe, on a une notion finalement de cadrer, de donner un cadre légal. Et donc, on parle de SMIC, on parle de congé. Est-ce que c'est-à-dire que, de manière transversale, on va considérer qu'un foyer est un employeur à part entière, donc déclaration CNSS, donc, et tout ce qui s'ensuit, donc,
Bien sûr, protection sociale. Est-ce que ça a été discuté? Oui, déjà, ce qu'il faut dire par rapport à toutes les lois chez nous, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a les lois, elles peuvent sortir, après on attend les décrets d'application. Alors les décrets d'application peuvent ne jamais paraître. Si, vu comment on est parti, là déjà, depuis 10 ans de discussion et dans quoi on s'embourbe, moi j'ai beaucoup de doutes sur énormément de choses. La question du contrôle, elle se pose dans le monde du travail de manière générale. Oui. C'est vrai qu'on a énormément d'informels. Juste par rapport aux enfants, parce qu'il y a quelque chose qui a été dit, et c'est l'approche qui me paraît un petit peu dangereuse, et ça rejoint ce que le fameux responsable avait dit. Oui. Mais qu'est-ce que j'en fais? À croire qu'ils sont à sa charge, à croire qu'on va lui dire il faut créer des foyers. S'il vous plaît, il ne faut pas qu'on ait ce réflexe, chaque fois qu'il y a une problématique, de créer des centres. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'avoir des programmes, d'avoir une vision. C'est de l'insertion dont on parle. On ne parle pas d'enfants qui sont handicapés lourds et qui n'ont pas de parents. Maintenant, il y a tout un accompagnement à mettre en place. Il doit se mettre en place de manière aussi régionale. N'oublions pas, aujourd'hui, on est dans une logique de régionalisation avancée. Donc, il y a énormément de choses à faire. Encore une fois, c'est une question de volonté politique. Et il ne faut pas confondre de ce qui relève des principes intangibles des droits et sur lesquels le Maroc s'est engagé, de ce que l'on doit faire. Alors, cette loi, quelle que soit la mouture de toutes les façons qu'ils vont lui donner, elle ne réglera pas le problème et toute l'effectivité. Moi, je voulais dire deux choses. Premièrement, la question des statistiques mondiales, parce que j'ai été chercher dans l'Organisation internationale du travail. Ils nous donnent des statistiques qu'il y aurait plus de 52 millions de travailleurs domestiques dans le monde, dont 80% sont des femmes, et que 10% seulement sont couverts par la législation du travail. Et on parle de 7,4 millions d'enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans le domaine de travail domestique. Donc notre pays est un pays parmi les autres. On a raison d'être sévère comme nous le sommes, mais nous devons quand même avoir à l'esprit que ça constitue quand même un progrès très important par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde, et notamment les pays de la région arabe, dans lesquels il n'y a pas de loi, on ne parle même pas de cette question qui est un tabou. La deuxième chose que je voulais dire, c'est il est important de dire que sur la question du travail de moins de 18 ans, il n'y a pas que l'avis de la société civile et l'avis de plusieurs groupes parlementaires et l'avis de nombreux militants, si on veut, qui sont aussi des parlementaires. Il y a aussi l'avis du Conseil économique, social et environnemental, qui a donné un avis en interdisant, en demandant, recommandant, d'interdire carrément le travail des moins de 18 ans. Et il y a le Conseil national des droits de l'homme qui a donné aussi l'avis dans le même sens. Donc on ne comprend pas comment le gouvernement peut-il ne pas prendre en compte les recommandations de ces institutions constitutionnelles et également l'avis et une cause pour laquelle nous avons milité pendant tant d'années. Alors, je vous livre juste l'exemple. Je vous lisais juste l'exemple de la Bolivie, qui peut être choquant aussi. Hein, c'est vrai. Enfin, moi, je l'ai trouvé choquant. On a 850 000. Alors, on n'est pas dans le travail domestique. Je parle vraiment dans le travail en général. On a 850 000 enfants sur une population de 10 millions qui travaillent. 850 000 enfants, ce sont les chiffres de l'UNICEF, un enfant sur trois. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a une espèce de pragmatisme et d'adaptation à la réalité. Il y a déjà autorisation du travail rémunéré à partir de 14 ans. Et au début des années 2000, même un syndicat des enfants travailleurs boliviens a été créé et qui milite pour l'abolition de tout âge légal de travail. Parce que ça, c'est des dérives vers lesquelles on peut aller, c'est-à-dire en gros, considérer que l'enfant est un adulte à part entière et qu'il peut être assimilé, syndiqué, un syndicat des enfants travailleurs. Est-ce que c'est des dérives qui sont possibles? Je crois que des fois on dit comparaison n'est pas raison. C'est vrai que non, mais bon, la Bolivie, ça permet de voir dans quel certains pays. Honnêtement, je pense pas que nous on en soit là. Et heureusement, on a quand même des ambitions justement d'aller de l'avant en matière de droits de l'homme et de droits de l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle on s'indigne. De dire comment se fait-il qu'aujourd'hui on soit en train de débattre de choses qui crèvent les yeux. C'est ça, ça revient à la question que vous posiez. Mais alors, est-ce que c'est idéologique? Mais on n'en sait rien. Moi, je vous dis, il y a des gens qui ont des intérêts personnels là-dedans. C'est pas possible que l'on discute par rapport à ça. Mais l'encadrement du travail, effectivement, il va avancer. Il va avancer comme dans le travail de manière générale, avec la différence que le code du travail, il est plus, disons, les gens qui travaillent dans le monde formel, je dirais, de l'industrie et autres, ils sont plus contrôlables. La grande question qui va rester ici, c'est le contrôle effectif. Déjà, quand on sait que dans les usines, les petites entreprises, les moyennes entreprises, le contrôle ne l'est pas. Oui. C'est une grande question qui reste posée. J'ajoute juste une précision par rapport à la Bolivie, parce que c'est quand même un cas intéressant. C'est que la scolarisation est obligatoire.
Oui. Hein, et ça, et deux conditions sont éditées dans le texte de loi, que cette activité ne nuise pas à leur droit à l'éducation, donc scolarisation et droit, et que ne soit pas dangereuse. Bon, voilà. Après, le contrôle, c'est autre chose, encore une fois. Quand on se regarde, ouais, on se désole, et quand on se compare, on se console. Non, mais... ce que je voulais dire, c'est que c'est-à-dire le Maroc, quand même... Là, on n'a aucune notion de scolarisation, oui, qui est mise à un moment donné. C'est-à-dire qu'on ne prend pas ça en considération. Il y a une note optimiste à mettre quand même en avant, c'est qu'il y a eu un recul important du travail des enfants, quand on exclut, disons, la sphère domestique, qui est une sphère non, ouais, non visible, etc. C'est-à-dire, j'ai les chiffres du Haut Commissariat au Plan, oui, qui nous disent qu'entre l'an 2000, où il y avait 517 000 enfants au travail qui étaient recensés, et l'an 2012, où on est arrivé à 123 000 enfants, il y a eu, c'est-à-dire, bon, ça a été divisé, disons, par 4, mm-hmm, à peu près le mais nombre si d'enfants. Si vous me permettez, moi, j'ai mis un bémol sur les statistiques, pardon. Le HCP nous donne des statistiques, c'est, on ne veut pas casser le thermomètre. Non, non, oui, je suis d'accord, je ne veux pas casser le thermomètre. Ça, c'est une autre émission pour parler du thermomètre. Ça, si vous me permettez, d'abord, je reviens sur le rôle de la loi dans le développement des pays. Donc, je pense que une loi qui conserve le statu quo n'est pas une loi. La loi prétend pour l'avenir, pour développer, pour aider à développer. L'application de la loi. Oui. Je répète. D'abord, oui, justement. Donc, premièrement. Si on n'a pas la loi, deuxièmement, il y a un problème. Donc, toujours la primauté de la loi. Il y a un problème qu'on n'a pas assez discuté, c'est la démocratisation du processus d'élaboration de ce texte. Le code du travail, c'est un droit c'est un code négocié. Parce que c'est un parti, il y a les syndicats, le gouvernement et le patronat. Mais donc c'est un texte. Il y a qui en face là? Oui, oui. Non. Donc il y a là la mise en œuvre d'un article du code du travail. Pourquoi on n'a pas suivi la même démarche? Parce que oui, il y a l'État, il y a bien sûr les associations qui travaillent dans ce domaine-là, donc ils peuvent contribuer. Mais est-ce qu'on a pris, on a demandé l'avis de ces concernés-là? Parce que même quand on parle de l'intérêt suprême de l'enfant, mais ça signifie beaucoup de choses, dont la prise de son point de vue, la prise en considération de son point de vue. Donc là, effectivement, le gouvernement, il n'a pas... Il n'a pas choisi cette approche-là, même si c'est une mise en œuvre d'un article du Code du travail, mais il n'a même pas voulu écouter les doléances de la société civile. Jusqu'à présent, en même temps, la comparaison. Personnellement, nous comparer à des pays qui sont presque je ne compare au même niveau. Pas, je non, donne juste non, une non, expérience. Loin de moi l'idée de comparer. Non. Je livre une expérience. Je préfère effectivement qu'on se compare à des pays qui nous devancent et qui ont de l'expérience, qui ont les bonnes pratiques. Parce qu'il y a de bonnes pratiques. Il y a le Brésil et pas mal de pays qui ont de bonnes pratiques effectivement dans ce domaine-là, qui ont interdit le travail domestique des enfants. Mais ce sont là les bonnes pratiques qu'on peut et qu'on doit donner comme exemple. Pour nous, c'est le bon exemple. Un texte de loi qui conserve le statu quo n'est pas un texte de loi qui peut organiser une société, qui peut réglementer les comportements des citoyens, mais un texte de loi, effectivement, qui peut jouer ce rôle-là, c'est un texte qui prévoit l'avenir, mais en même temps, il faut toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut toujours une instance de veille juridique, parce que c'est un problème. Conserver la primauté de la loi, la démocratisation du processus d'élaboration, mais la prise en considération des données sociologiques, parce que là, notre droit fait défaut. À mon avis, quand il y a quelque chose de positif, il ne faut pas le minimiser. Cette loi ne maintient pas le statu quo. Cette loi ne maintient pas le statu quo. Cette loi constitue un progrès. Elle constitue un progrès parce que avant on commence à en discuter, ce que vous non, voulez dire. On était dans le sens dans l'esprit du non-droit. Les femmes de ménage n'avaient aucun droit. Elles n'avaient pas de CNSS, elles n'avaient pas de contrat de travail, elles n'avaient pas de jour, elles n'avaient aucun droit. Elles vont pas encore en avoir. La CNSS n'est pas mentionnée là-dedans. Hein. Oui, oui. Si la protection sociale est mentionnée, c'est la protection pas la CNSS. La protection sociale, non, elles auront droit à il y aura la possibilité, le ministre l'a affirmé, de s'inscrire. Il a affirmé pas mal de choses.
En tout cas, mais alors la CNSA, ça sera notre débat, parce que c'est vrai que la CNSA, c'est l'application, c'est une autre chose. Excusez-moi. Ça sera libre, vraiment. Dernier mot. Je dis que ce projet de loi constitue un progrès relatif et qui reste très insuffisant et qui n'a pas réussi sur la question de l'interdiction du travail domestique des enfants. Pour moi, il est impératif qu'on se ressaisisse, parce que ce n'est pas encore fait, qu'on se ressaisisse et qu'on en arrive à construire une unanimité autour de la question d'interdire le travail des enfants. C'est un appel solennel que j'aimerais beaucoup lancer au groupe de la majorité en particulier, pour qu'il rejoigne la position de principe qui est l'interdiction du travail domestique. Merci à vous. C'était le dernier mot. Nous vous remercions d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre ce sujet. Excellente soirée sur Média TV. La rediffusion aux alentours de 22h40, comme tous les soirs. Et je vous dis à demain.